Ce soir, j'organise un petit apéro chez moi. Et pour éviter de me prendre des remarques comme « Mélo, t'as pensé à ton impact écolo-fiscalo-sociétal », j'ai décidé de m'armer d'une nouvelle appli. Venez, je vais vous montrer. Cette appli, c'est un peu comme Yuka. Je commence par scanner le produit. Et l'appli me signale automatiquement si une campagne de boycott est lancée contre le producteur des bonbons ou pas, avec des arguments à la clé. Résultat, si j'ai pas envie d'être complice de maltraitance animale ou d'exploitation, je repose. On va dire que je vais laisser les bonbons de côté pour ce soir et je vais aller voir du côté des boissons. Alors, si je prenais un peu de Sprite pour ce soir? Eh ben non. En fait, l'appli là me dit que Coca-Cola Company participe à l'assèchement des nappes phréatiques au Mexique. Du coup, je vais peut-être aller voir du côté des bières. C'est toujours pas ça, mais si finalement j'ai quand même envie d'acheter et de rentrer chez moi avec quelque chose à servir à boire à mes invités, je peux quand même me mobiliser en apportant un soutien, en rejoignant la communauté de consommateurs qui boycotte cette marque. De quoi faire plier les industriels? Peut-être. L'association qui est derrière cette application a obtenu de Petit Navire, la marque de thon, qu'elle réduise de 50% ses DCP, les dispositifs de concentration des poissons. Vous savez, le fait qu'elles pêchent avec de larges filets et qu'elles embarquent tout sur leur passage, des thons matures, mais aussi des thons qui n'ont pas eu le temps de se reproduire, des requins et parfois même des tortues. Alors, est-ce que ces engagements sont juste des paroles pour lever le boycott? Peut-être. En 2020, l'ONG Greenpeace se chargera d'évaluer la teneur de leurs engagements.